Yo les frérots, Salbirek, j'espère que vous allez bien les refs. En tout cas, moi les gars, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, vidéo banger sans repassage PO sur DG de Psychopath. Je vous montre ça à l'écran. On est actuellement en live sur Twitch, hein. Je vous invite fortement à venir nous rejoindre. Que DG de taré les gars. Tous les bracelets pilosters sont en 10 dos minimum. Avec parfois des jets comme celui-là, avec deux dommages critiques à repasser en PO, etc. Vraiment, c'est que du lourd. Tous les Valets Vénards, les gars, que vous voyez à l'écran, sont tous avec un jet minimum à 150 millions à la revente, avec le PO plus PM, évidemment. Mais là, on est déjà sur la première étape. Et croyez-moi, les gars, sur les Valets Vénards, c'est déjà très, très dur à pop sans le PO, avec le jet minimum que le client voulait, donc 298 Vita. Et du reste en hard perf avec plus 10 d'agi. En tout cas, ils sont tous, hein, tous en mode masterclass. Je crois que voilà, le seul qui est là, c'est que du perf. Voilà, je me suis autorisé un ou deux perfs dans la liste. Sinon, c'est que des jets à la demande du client. Des petites glorsonnes aussi sympathiques. Non, franchement, il n'y a rien à redire. J'ai inclus, pour avoir les 100 tentatives pour le titre de la vidéo, une amulette Ilisael en perf 70 en round double repassage et un deuxième repassage en nirt perf moins assassin over de 96. Bref, les gars, si le contenu vous plaît, un petit like, c'est parti. On est parti du coup, les refs, avec que des jets de fou. Hein. Que des jets de fou, franchement. Maximum de pouces bleus, les gars, parce que pour préparer des vagues comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitch, il faut quand même... Bah, les gars, notez plus 1 dans le chat. Déjà, 1 de validé, ça c'est fait. Il faut quand même déjà avoir pas mal de temps de FM sur soi, enfin, à consacrer au jeu. Et c'est pas rien. Franchement, c'est pas rien, parce que c'est que des gros jets. Là, c'est du double repassage en 2 dommages critiques. Let's go. Je vais essayer quand même d'accélérer, que la vidéo ne dure pas genre 20 minutes. J'ai rien que ça dure 5-10 minutes maximum. Ouf, ça c'est super intéressant. Par contre, les 2 dommages critiques avec une bonne puissance, ça se revend très très cher. Hein. Avec un PM, bien sûr. Bon, déjà on a le PO, donc après on ira mettre le PM. Déjà 2 les refs, déjà 2, ok on poursuit. Bim. Ah ouais. Parce que, en fait les gars, pour ceux du sub qui savent pas là, en fait j'ai dit avant de lancer le live, enfin avant de lancer la vidéo que j'étais chaud, je me sentais chaud aujourd'hui. Mais je pensais pas que c'était à ce point là. Je pensais pas que c'était à ce point là. Là au bout d'un moment, voilà quoi, on enchaîne. Ok. 2 dommages critiques, ça faut les valider. Hein. Ceux-là, ils sont super importants à valider. Let's go, PO. Ah, dommage. PO. Ok, toujours rien. Petit PO des familles. Wesh! Mais attends, c'est... C'est des runes Raïn ou c'est comment là? Je comprends pas. Pareil, si au moment de la vidéo, vous vous demandez ce que je suis en train de boire, c'est ni plus ni moins que du Holy Energy, les gars. Ça, c'est super important pour passer un maximum de réussite sur les exos ou des repassages. Holy les refs, vous avez mon code promotionnel dans la barre de description. N'hésitez pas à passer par mon lien, vous avez 10% de réduction. C'est super, super intéressant pour vous et pour moi. Donc, merci à ceux qui passent par mon lien. PO des familles. Ah, de dommages critiques, dommage. PO, non. PO, bien sûr que non. Là, c'est du double repassage. Ah c'est dur, hein. Les doubles repassages, j'en ai validé que 2 je crois sur ma chaîne. Depuis le temps que je fais des Valets Vénards. Ouf. Oh, par contre là il faut que le PO passe. Si le PO ne passe pas les refs, ça va être une ambiance particulière. Allez s'il te plaît. Ah ouais, bizarre. PO, non. Allez, petit PO des familles, toujours pas. PO. Tac, 2 dommages. Ah ceux-là pareil les gars, ça c'est 50 puissance, 2 dommages critiques. PO, PM, t'es au Bahamas, hein. Let's go. Ah, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chat, honnêtement, sur les gros gros jets. On arrive à valider des petits jets, mais pas des trucs de fou non plus. Ok, ok, un dommage critique. Bon, assez timide, assez timide. Mais ça passe, ça fait une tentative PM assez intéressante. Ça reste cool. Ça nous fait combien là? 5? Déjà 5. En vrai, déjà 5, on est bien. On est plutôt bien. On est sur une bonne moyenne. PO, dommage. Un dommage critique encore. Toujours rien. 287 Vita, dommage. Ok, Dido classique. Un dommage critique. Oh, le sixième, je crois, les refs. On est déjà sur 6. Assez intéressant. Assez intéressant, let's go. On enchaîne. PO, non. PO, toujours pas. Là, je le sens bien. Là, je le sens... Ouah, par contre, là, concentre-toi, espèce de con. Moins 2 de puissance, 2 dommages critiques, s'il te plaît. Ouah, insolent. Ah, au bout d'un moment, allez, je bois un petit coup de cristalline, les gars. J'ai plus les mots. Au bout d'un moment, je n'ai plus les mots. Ah, quand je vois des petits jets comme ça validés devant mes yeux, j'aime bien. Là, j'aime bien.
Ok, deux dommages critiques en double repassage, pourquoi pas? Et non. Un dommage critique. Bim. 10 d'ini, 50 de puissance, qui ne passe pas. Un dommage critique, 50 de puissance. Dommage. Full perf. Alors ça, c'est tentative super intéressante. Je crois que ça se revend dans les 50 millions de Kama. Un jet comme ça en perf, pour avec PA bien sûr. Hein. Avec PA bien sûr. Mais avec les 10 d'ini, ça rajoute un petit truc. Donc pourquoi pas, let's go. Ah. À plus tard. Un dommage critique. Ok, classique. Deux dommages critiques avec les 50 de puissance. Ça, faut vraiment les valider, les gars. Ça coûte très très cher à la revente avec un PM. Oh là là, dommage. Un dommage critique. Toujours pas. Dido classique. Ok, un dommage critique. 48 de puissance. Qu'on valide, qu'on valide, qu'on valide. En vrai, de vrai, j'avoue que les un dommage critique, ça passe plutôt bien. Ça, c'est cool. C'est le combien? Le 8ème déjà? On est vraiment bien. Là, en termes de... Ouais, ouais. On est vraiment très très haut, là. Double repassage ici sur un G full perf, un dommage critique qui ne passe pas. Dido classique. Ok, c'est le 9ème. Ok, j'ai sympathique, hein. C'est pour recevoir un PA. Moins de puissance, moins 5 de vita, c'est ok. C'est pas non plus un truc de fou, ça reste un pilostère, c'est relativement simple à faire. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est du full perf PA. Ou 10 d'ini avec le PA, bien sûr. Mais principalement, deux dommages critiques, voire un dommage critique qu'on n'a pas assez de depuis pour PM. C'est vraiment ça que je focus. Là, c'est tentative, on va dire, plus bonus. On comprend, mais vas-y. PO. Ok, deux dommages critiques. Ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut valider. 52 puissance, 2 dommages critiques, c'est ça qu'on veut valider, les gars. Et on valide. Il suffit de demander, les gars, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu... T'es là, tu sais plus quoi faire ta live, gros. Passe sur mon live, envoie-moi tes items. Ramène-moi une vague d'items, je te valide, frérot. Je te valide tes items. C'est... Voilà, c'est ça qu'on veut. 52 puissance, 2 dommages critiques. Et oui, ça, après, je vais mettre un PM dessus, faut pas être choqué. Faut pas être choqué, c'est logique. Logique, les frères. Ok, on poursuit. C'est le 10ème là, du coup. Hein. Ok. Bim. Ah, quoi? On peut pas en enchaîner deux de suite sur des 52 puissances? Qui a dit ça? Qui dans le chat a... Qui a osé dire ça dans le chat? Je comprends pas, là, au bout d'un moment. Je ne comprends pas. Au bout d'un moment. J'avais dit, les gars, pour ceux qui sont pas au courant sur YouTube, j'avais dit sur la prédiction, parce que je fais des prédictions, ça permet de booster les points de chaîne, que vous retrouvez ça sur Twitch. Et en fait, avec les points de chaîne, vous pouvez acheter sur ma chaîne Twitch, du coup, des tentatives exo, PA, PM sur des plus ou moins gros jets. Et là, j'avais annoncé au chat de miser tout sur 16 et plus. Il n'y a personne qui m'a fait confiance, à part CRZ, qui a bien fait pour le coup, vu que là, c'est une masterclass. Hein. Là, c'est une masterclass, je pense qu'il va encaisser beaucoup de points de chaîne et il va se faire plaisir. On enchaîne avec un 2 dommages critiques, les refs. Bim. Dommage. Ok, 52 puissance. Qui ne passe pas. Un PO là-dessus. Non. Un PO. Non. Toujours pas. 40. Ouais, très beau, j'ai un moins 1 de puissance. PO. Bon. Ça, c'est fait. Donc, je crois que c'est le 12ème. En vrai, de vrai, je suis vraiment content des jets qu'on valide. Hein. On a quand même pas mal de... Bah, après, c'est ça l'avantage. C'est que quand tu prépares une vague comme ça, où il n'y a que des gros items avec que des gros jets... Alors, certes, il y a le parti tank investi derrière ça. Mais après, quand tu... Chaque repassage, et ça te permet de partir sur des exos PA, PM par la suite, qui sont vraiment ultra conséquents. Là, je rappelle qu'il y a des exos dans le tas qui vont potentiellement être à gagner pour ceux qui ont fait les précédents sponsors. Donc voilà. C'est clairement des jets comme ça que vous allez avoir à tenter. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. PO. Ok, qui ne passe pas. 49 de puissance, moins 5 vita. Qui ne passe pas. 52 puissance, PO. Ouais, j'tain, mais bon, je pense que c'est ma plus belle vidéo dans le sens où le taux de repassage est vraiment très élevé. Ça m'est jamais arrivé de faire ça pour l'instant. Il nous reste encore pas mal d'items. On est déjà à 13. On est déjà à 13. C'est ultra conséquent. Je crois que mon record c'était 14 ou 15. Je pense qu'on va le fumer. Je pense qu'on va le fumer. PO. Non. PO. Non. Nier de perf, moins 1 de puissance. Et voilà. Et voilà, on est à 14 déjà, les gars. Je crois que Serzad, il est en train de se frotter les mains à l'heure actuelle, là où je parle. Il est en train de se frotter les mains. Il est là, mon gars. Pa, 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 pa. Ramène les kamas. Enfin, les points de chaîne, pardon. PO, let's go. Ok. Ouf, ça, faut valider. Hein. Deux dommages critiques, 48, let's go. Dommage, ça fait mal quand on valide pas ça. Ça fait très très mal. PO. Ok, validé 52 puissance. C'est carré. Je crois que c'est le 15ème. Du coup, si on en valide encore un, on a battu, je crois, mon record en termes de repassage. Ça, c'est une dinguerie sur 100 items. On est déjà à 15, du coup. 15, c'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Un dommage critique qu'on ne valide pas. Deux dommages critiques avec un gros nier de perf, moins 1 de puissance, moins 1 de vita. Let's go. Dommage.
Moins de puissance, ok. Deux dommages critiques, moins deux de puissance, moins de vitesse. S'il te plaît. Ouais, bizarre. Go. Dommage. Un dommage critique. Ok, on le valide. Franchement, le taux de réussite, là. Il en reste combien? Il en reste beaucoup, hein. Il en reste beaucoup. Il reste encore une vingtaine ou une trentaine d'items, là, je crois. Donc là, c'est... Là, on est très, très bien. On est déjà à 16, les gars. Donc, CRZ... Allez, merci les points de chaîne. Ouais, bah gros, je te l'avais dit. Je vous l'avais dit, le chat. Hein. Moi, j'avais dit juste avant de lancer la vidéo que si j'avais 100 000 albifetons en jeu, donc ça, c'est les points de chaîne, j'aurais misé 90 000 sur 16 et plus. Je sais pas pourquoi, j'avais un petit flair comme ça, un petit ressenti de forge mage. Et je me suis dit, go. PO. Ok, dommage. Le dernier pilostère, les refs. Le dernier pilostère. PO. Ça ne passe pas. Ok. On va se faire directement, du coup, les amulettes en double repassage. Donc là, c'est du full perf, ça se revend assez cher. PO plus PA. Alors, le PO, on l'a. Est-ce qu'on a le PA? Est-ce que l'item est signé? Oui, l'item est signé. 3, 2, 1. Jacqueline. Dommage. D'ailleurs, je devrais faire PA avant le PO parce que le PA, si crit, on a une chance que le PO fasse retomber le PA. Donc, ça peut se faire. Quoique, non, là, ça va taper sur l'overvita vu qu'il est ultra conséquent. Enfin, ça va enlever un peu de vita. En vrai, dites-moi, les gars, c'est quoi le mieux? PA, PO avant? Ça, je sais jamais, honnêtement. Maintenant, en toute logique, la logique voudrait que tu mettes ton PA et ensuite la plus petite rune, parce qu'il y a un monde où ça saute justement le PA et que tu puisses re-FM d'ailleurs sur un gros jet, ça pourrait être intéressant. Let's go. PA. Ouh! Par contre, les gars, 496, hein. Allô? Allô, le chat? 496, les gars. C'est pas un jet qu'on retrouve souvent en HDV, hein. C'est du 96 de sur un bon gros nier de perf en 80-80. S'il peut au repasse, là, on parle pas chinois. 3, 2, 1. Michel. Ah, ça aurait été trop beau. Dommage. Là, on va passer du coup directement. Petite alliance Glorson, sympathique. Je l'ai mis dans le tas. Alors, malheureusement, il manque 11 de vita. C'est assez problématique. Mais il y avait le 60-60-39 qui carry. Et le perf initiative. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'inclure dans la vague. Let's go. Mitigé parce qu'un jet comme ça, malheureusement, ça, on appelle ça un très bon jet. Mais le fait qu'il y a 11 vita en moins, qu'il y a pas il y a la barrière psychologique où on passe pas la 240 vita, ça va freiner une vente. Ça va freiner une belle grosse vente. Mais on pourra tenter un PA là-dessus, ça se revendra très très bien. Pourquoi pas. Donc je crois que ça fait 17. 17 en termes d'items validés pour l'instant. Il y en a une deuxième qui est un peu plus sexy. En moins 7 vita, moins 1 ici. En moins 4 initiative. Vraiment très sympathique. PO. Pas de PO, ok. Et maintenant, les gars, on part sur le plus intéressant, selon moi. Alors là, il n'y a que des items entre 50... Enfin, il y a 2-3 items à 50 millions, les perfs comme ça, PA. Enfin, c'est un peu moins, mais bref, t'as compris, c'est pour la perf, on est là. Mais sinon, dans le tas, il y a vraiment les 95% du tas des Valets Vénards. Là, ce que vous allez voir, les gars, c'est des G minimum en repassage PO puis PM à 150-200M. Donc là, faut rester bien focus. Hein. Là, faut vraiment rester concentré de ouf. 3, 2, 1, PO. Ok. Regardez-moi, les gars, les G. Hein. Regardez-moi les G comme ça, les gars, c'est 150-200M. Let's go. PO. Ok. 3, 2, 1, Jacqueline. Ok, pas de PO. 70 moins 2 vita. Ah, oh, les G sont magnifiques. Les G sont magnifiques. PO. Non, mais par contre, vas-y, abuse pas. Moins 1 de vita, moins de ça, PO. Oh, let's go. On aura une tentative, les gars, à 150-200M. Donc ça, c'est plutôt cool en PM, bien évidemment. Ça fait 18, hein. 18 qui sont validés, c'est énormissime. Là, pour, je sais pas si vous vous rendez compte, on a une moyenne de 1 pour 5 pour les repassages. Donc c'est une dinguerie de chez dinguerie, honnêtement. Dinguerie. PO. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah attends, c'est ma plus belle vidéo que je vais faire, les gars. Là, franchement, je prends le temps d'apprécier parce que, les gars, il y a beaucoup de taf derrière ça. Pour stocker autant de gros jets, ça demande quand même beaucoup de temps d'FM, comme je l'ai dit en début de vidéo, et surtout beaucoup de cam investi. Là, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Non, mais il a hack le jeu. Non, mais les gars, j'ai pas hack. Hein. Par contre, j'ai tryhard. Hein. Je vais vraiment tryhard comme un taré. Allez, on enchaîne. 71, les gars. 71 AJPO. Ah, dommage. Ok, Nirt perf moins 1 Sasa avec les 300 vitas, c'est magnifique. PO. C'est dommage. Full perf, enfin Nirt perf moins 2 vita, classique. Enfin, classique, t'as compris. Hein. PO. Non. 70-38, let's go. Oh, mais wesh! Mais c'est quoi cette dinguerie, gros?
Attends, on est à combien les refs? 20, je crois, là. Mais là, là, les gars, on est en train de stocker des G. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie. On est en train de stocker des G, mais de taré, là. Vous allez péter votre crâne, les gars. Vous allez vraiment péter votre crâne. T'as un taux vraiment abusé. Ouais, là, les gars, on est à 1 sur 5, pour vous dire, en termes de repassage. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé, par contre, de faire 30 valets vénères et d'en valider qu'un seul. En vidéo, vous l'avez vu, d'ailleurs. Je crois que c'était sur la précédente vidéo, Valet Vénard ou Piloster, je sais plus exactement. Je crois que c'était 1 pour 40 ou 1 pour 30. Bref, là aujourd'hui, on a pété les scores. Hein. On a vraiment pété les scores. Nier perf moins 1 vita, magnifique. Pas de PO, ok. Full perf, PO. Oh, dommage. Oh là là, le perf. C'est celui-là, les gars, je veux le valider. Hein. Le full perf, en plus, il a 13 PP. Hein. Franchement, je le valide, lui, je suis bien. Lui, je suis vraiment refait. Honnêtement, 3, 2, 1, Albi. Je suis de merde. 70-39, PO. Non. Allez. Perf. Over de 5 pour PO plus PA. Arrive pas à valider, malheureusement. Encore un perf. C'est vraiment classique, les perfs. Hein. Over de 51, ça, c'est un G qui traînait. Je me suis dit, vas-y, go, on l'inclut dans le... Donc ça, c'est un G classique. Hein. Ça se revend entre 80 et 120 millions, suivant la demande et suivant votre serveur. PO en PM, bien sûr. Hein. PO, non, ça ne passe pas, malheureusement. Ok, moins 2 de Vita, 70, PO. Mais wesh! Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de Julka dans le chat. Effectivement, on fait remarquer, là, on est 65 en live sur Twitch. Merci à tous les refs qui sont présents. Hein. Merci à vous, les gars, de soutenir. Ça, c'est grâce à vous que le fait d'être présent, ça me motive de fou à poursuivre. Et effectivement, il n'y a pas de Julka. Et du coup, on passe beaucoup plus d'items. C'est bizarre quand même. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que Julka ne soit pas là et que j'ai beaucoup de luck? Possible. Dites-moi dans les commentaires. Écrivez, par exemple, un message gentil du style « Fuck Julka ». NTM Julka, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Voilà, en tout cas, c'est 20, le 21ème. Non, 21ème, bon, c'est une dinguerie. PO, dommage. Oh là là, 71 d'agi. Ah, celui-là est un peu insolent. Un peu insolent, let's go. Dommage, 110. PO, ok, 110. PO, oh, mais wesh. Non bah les gars là je suis désolé mais je prends le temps en vidéo. Je pense que vous comprenez ceux qui sont derrière l'écran qui ont un minimum de savoir-faire en forge magie. Là je pense que voilà vous, ce que vous réalisez, ce qu'on est en train de mettre sous la table. Sur la table là ça va être DG mais frère épique. Épique de chez épique hein. Là je rappelle PM là-dessus c'est 150M minimum sachant que les gars qui tryhard DG comme ça, ça fait je crois entre 6 et 8 mois ils ont pas réussi à le sortir. Moi j'aimerais bien le sortir, je vais pas mentir. J'aimerais bien le sortir mais bon c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de temps de FM. Donc, let's go. 110 d'AJPO. Non. Bon, allez. À plus. Non, mais là, c'est trop gros. Là, c'est beaucoup trop. Là, je suis désolé, c'est beaucoup trop gros. Non, mais à un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, mais moi, je le dis, faut arrêter. Au bout d'un moment, ça y est. Les gens, ils vont, ça y est, c'est capté que là, c'est truqué. Là, au bout d'un moment, faut dire les termes. 23ème du coup, MDR. Non, mais les gens de YouTube vont capter que c'est truqué, les gars. On est sur une version bêta. Il y a beaucoup plus de taux de réussite. Non, mais là, c'est aberrant. En plus, 70-40. Oh, par contre, c'est un 297. Je crois que le client voulait un 298 minimum. Pour 1 de Vita, ça peut bloquer la vente. Ça peut pas bloquer la vente, parce que dans tous les cas, ça sera recherché. Ça intéresse énormément de monde, des jeux comme ça, mais... ça peut bloquer le palier psychologique pour que l'acheteur en question franchisse le pas. Mais bon, tu peux vraiment le vendre easy, tu vois. Let's go. 305 PO. Donc on valide pas. J'aurais kiffé avoir un petit 305 PA en vrai de vrai. Let's go. 70-38. Ok, il nous reste 2 les refs. 2. Encore un 351 Nier Perf, ça se revend très bien, PO. Non. Et le dernier pour finir en beauté, les refs. 70 d'agi moins 2 vita avec un full perf sasa. Let's go. Et on valide pas. Bon, du coup, les gars, j'ai serré. Si j'ai pas la flemme, je pense que je vais avoir la flemme de vous mettre à l'écran tout ce qu'on a validé. Ce qui est quand même 20. Oh, je pourrais pas. Bon, en vrai, je dis ça, mais je suis con, les gars. Je peux pas. Il y a trop d'items. On a validé trop d'items. En tout cas, les gars, si ce contenu vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à poser le petit like, le petit commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous dis prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, à la prochaine.